Sporama, je manipule moi. Je manipule moi. Ok, pas de problème. Demain on répondra sur Mad Mag. Voilà les amis, comme beaucoup de gens attendaient, il y a eu l'épisode là de la rupture avec Kim. Donc voilà, je voulais vous en toucher un petit mot, même si demain je m'expliquerai plus en détail sur le Mad Mag. Sachez juste une chose, c'est que dans la vie de tous les jours, comme dans mes aventures, ben, j'ai toujours été droit et respectueux avec les femmes. Je déteste faire ce genre de choses, mais des fois il faut être honnête, même si ça fait mal. J'ai laissé beaucoup de chance à Kim, malheureusement, ben voilà, son naturel a refait surface et c'était trop. Notre relation, je pense qu'elle est arrivée à bout. Faut pas croire, ça a été difficile aussi pour moi de me séparer. Ça a été très difficile, une rupture, c'est jamais bien pour personne. Mais voilà, qu'on puisse me traiter de manipulateur et de m'être servi d'elle, ça me fait bien rire, surtout venant de sa part. Je pense que j'ai été honnête et droit à 100% avec elle. Voilà, maintenant, moi, je vais pas commencer à rentrer dans ce genre de disputes, de clash interposés. C'est pas du tout mon style et je rentrerai pas dans ce jeu-là. J'ai appris que sur le Mad Mag, elle m'avait traité de manipulateur, qu'elle avait bien craché sur moi. Voilà, moi, je rentrerai pas dans ce jeu-là et je la laisserai seule dans cette bataille. En tout cas, je vois vos commentaires et ça me touche. Merci beaucoup du soutien. Vous voyez la vérité et j'espère en tout cas que vous voyez clair dans les épisodes.